Morgen, allez, Iden, les fusions aujourd'hui, le Nishmat Dov, Ben Yudit, Vegataram, Ben Chedva, Lor, Lea, Bad Bela, Chay, Esther, Bat Miriam, Esrek, Perez, Ben Fortuna, Chay, Michal, Ben Sultana, si vous souhaitez, vous, si vous voulez, une prochaine étude de Mishnah, contextuelle, 5 minutes éternelles. Nous étions Massachat Shabbat, Perek, Tet Vav, Mishnah Bet. Yesh lecha ksharim, she'en chayven alehem, ke gesher agamalin, ou kesher asapanin. Kosherat Isha, Mafteach, Chaluka, Vechute Svacha, Veshel Piskaya, ou Tsuot, Minal, Vesandal. Venodot yain vashemen ukdera shel basar. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer kosherin lifne abehema bishvil shelo tetze. Kosherin dli bepiskaya, aval lo bechevel. Rabbi Yehuda matir, klal amar Rabbi Yehuda kol kosher shel mishel kayama en chayvin alav. On avait introduit dans le cours précédent les notions, les interdits, l'interdit de kosher, de faire un nœud ou de défaire, c'est le même principe. L'interdit de faire un nœud, on avait appris qu'il y avait trois niveaux d'interdit de faire, trois types de nœuds. Un nœud qui est interdit par la Torah, un nœud qui est interdit par Midrabanan, un nœud qui est complètement permis. Dans la Mishnah précédente, on avait appris quel était le nœud interdit par la Torah. Dans notre Mishnah, on va découvrir en première partie l'interdit qui n'est que Midrabanan, qu'en fait, il ne va pas contenir d'exemple dans la Mishnah. Et la deuxième partie de la Mishnah qui va nous apprendre le troisième type de nœud qui est complètement permis. Petit rappel, il y a deux avis essentiels à retenir. L'avis du Rif et Rambam, et comme ça tient le Shulchan Aruch l'Halakha, qu'il faut deux paramètres pour interdire Minatora. Un paramètre, un nœud professionnel, avec en plus de ça, une durée, pour une longue durée. S'il n'y a qu'une seule des conditions, soit un nœud professionnel pour une courte durée, ou bien un nœud pas professionnel pour une longue durée, tu ne penses qu'un interdit de Rabbanan. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, alors c'est un interdit de Rabbanan. Selon Rashi, les trois types de nœuds, ce n'est qu'une question de durée. Il y a une très longue durée, durée moyenne, très longue durée c'est plus d'un mois, comme ça c'est un peu flou dans Rashi en fait, quand il parle, plus d'un mois, deux jours plutôt à un mois, et pour ouvrir et défaire immédiatement, d'accord? C'est qu'une question de durée. Et on commence directement à traduire la Mishnah maintenant. Yesh lecha ksharim, sache qu'il y a aussi des nœuds, she'en chayevin alehen, sur lesquels on n'est pas condamnable. Kekesher agamalin ou kesher asapanim. On n'est pas condamnable comme ce qu'on avait appris pour les nœuds des marins ou les nœuds des chameaux, de ceux qui élèvent des chameaux. D'accord? Et la Mishnah ne précise pas de quoi on parle. La Gemara, elle explique, parce que la suite de la Mishnah, en fait, on va avoir différents exemples, mais de nœuds qui sont complètement permis. Bon, là, tu me dis qu'il y a des nœuds sur lesquels je ne suis pas condamnable. Donc, il y a un interdit, mais je ne suis pas condamnable. Du coup, la Gemara, elle explique que c'est justement, comme ce qu'on avait expliqué, pour le chameau, on lui fait une première corde que l'on perfore son nez et on lui met là-bas la corde dedans. Et ça, on met une première corde, on fait un nœud qui reste constamment. Ça, on transgresse en interdit Minatora. Maintenant, on a fait une boucle sur cette première corde à laquelle on attache une deuxième corde. Cette corde-là, puisqu'on a l'usage de la faire et de la défaire, c'est plus pour une très longue durée. Alors, dans ce cas-là, on transgresse qu'un interdit Minatora. Idem pour le bateau, c'était le même principe. Sur la tête du bateau, là-bas, il y avait un trou, un dispositif avec un trou, un anneau, et puis on faisait là-bas passer une première corde, et à cette corde, on attachait une deuxième corde. Sur la première corde, on transgresse un interdit Minatora, sur la deuxième corde, on transgresse un interdit Midrabanan. Et à présent, on va découvrir les nœuds qui sont interdits, qui sont complètement permis. Kosheret Isha Mafter Chaluka, une femme pourra attacher les ouvertures de sa tunique. En fait, c'est ce type de tunique où les bretelles, ce sont avec deux fils de corde, je sais pas comment dire, quand je suis fatigué, j'ai pas les mots, ça m'embête, mais c'est pas grave. Vous me comprenez, d'accord? Les rubans, enfin bref, des rubans, un qui vient derrière, un qui vient devant, et les attache en haut. Même si, concrètement, donc on lui permet de faire les deux nœuds, ok? On lui permet de faire les deux nœuds à gauche et à droite, même si, concrètement, il y avait peut-être lieu de craindre, la Gemara précise, peut-être lieu de craindre qu'elle va en ouvrir qu'un et qu'elle va laisser l'autre. Mais en réalité, la Gemara dit non, une femme, elle aime bien, quand elle a besoin d'enlever ses vêtements, elle aime bien les sortir largement, au lieu de se battre et de le faire sortir de manière un petit peu compressée, elle risque de le déchirer. Idem pour aussi Vechutei Svacha, les fils de Svacha, c'est sa coiffe, qu'elle avait avec un turban. Donc, de nouveau, elle attachait, même si concrètement, elle peut l'enlever, le remettre comme ça, mais quand elle l'enlève, elle risque de s'arracher les cheveux, et donc c'est certain que le nœud qu'elle va faire, elle va le réouvrir. Veshel Piskaya, même principe, de nouveau, cette fois-ci, Piskaya, c'est une sorte de ceinture, de ceinturon, et il y avait là-bas
ses extrémités des petits fils qu'il fallait attacher, et puis la femme de nouveau les défait. Je suis pas sûr si on parle d'une femme en fait, ouais, je pense qu'on parle toujours de la femme. Elle est mise en facteur depuis le début. Urotsuot min al vesandal. Et aussi on a le droit d'attacher les lanières, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, les lanières des min al vesandal, des chaussures. En fait, la Gemara précise aussi qu'il y avait différents nœuds qu'on faisait dans les sandales. Il y avait des différents nœuds, on pouvait transgresser un interdit minatora, si c'est un professionnel. Il y a le nœud avec les lanières qui sont fixées constamment dans la sandale, si on les fait de manière fixe, que ça ne bouge plus, on transgresse un interdit minatora. Et là, on parle des lanières que l'on ouvre et qu'on ferme constamment. La Gemara, entre parenthèses, elle évoque un cas que les Rabbanan, les Chachamim de l'époque, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps de faire leurs nœuds toute la journée, donc pour toute la semaine, ils faisaient une fois les nœuds sur les chaussures en les laissant un petit peu détendus, ils les mettaient, ils les remettaient comme ça. Et dans ce cas-là, ils transgressent un interdit midrabanan, celui qui va faire un tel nœud pendant Shabbat. Ensuite, on continue. Minal, c'est une chaussure, et sandal, c'est une sandale. Je ne sais pas c'est quoi une chaussure, une sandale de l'époque, est-ce que c'est plus fermé, j'imagine. Voilà. Nodot yain vashemen, même principe de nouveau, c'est permis de fermer une gourde d'huile et de vin, c'était ces fameuses gourdes en cuir qu'en fait on repliait sur elles-mêmes et puis il y avait une ficelle pour les fermer. Donc, puisque tu ouvres et tu fermes constamment, tu ne transgresses plus l'interdit. Idem aussi avec Oukdera Shalbassar, une marmite de viande, des fois ça arrive. On ne veut pas qu'il y ait des voleurs qui viennent, c'est fréquent dans les yeshivot le vendredi soir quand on a fini l'étude. C'est toujours la grande guerre avec la direction de la yeshiva, mais les gens ils ont. Les bachoum, ils rentrent, ils ont faim, ils ont envie de manger, ils ouvrent la casserole de tchount, et puis ils piquent un petit peu du chamin. Du coup, c'est fréquent qu'ils essayent de faire des nœuds et des systèmes pour que les bachoum évitent de le faire. Donc c'est le même principe avec des rachel bassar. Si on fait un nœud, c'est avec intention de l'ouvrir prochainement, donc il n'y a aucun interdit. Rabbi Elazar ben Yaakov, Omer, Kojrin, Yifne, Abehema, Bijuil, Shelotetse. Rabbi Elazar ben Yaakov nous dit, tu sais, tu as même aussi le droit de fermer devant un animal dans son enclos. Tu fermes aussi avec deux cordes. La Gemara explique qu'en fait, on parle qu'il y a deux cordes, une plus haute et une plus basse. Et là, il y a un petit ridouche dans les araignées, comme ça qu'en fait, donc tu fermes deux cordes, une en haut, une en bas. Comme ça, l'animal, il ne va pas sortir naturellement. Même si concrètement, ça peut te prendre que tu vas te mettre à ouvrir une seule corde, soit celle du haut, soit celle du bas, et l'animal, il va passer soit au-dessus, soit en dessous. Malgré tout, non. Les araignées, comme il dit, il n'y a pas de problème. Les deux nœuds que tu as fait, tu vas les rouvrir, donc tu as le droit de les faire pendant Shabbat. Koshrin Dlib et Piskaya. Ensuite, Piskaya, c'est le même qu'on avait vu là-haut. C'est le fameux ceinturon. Et la Mishnah me dit que j'ai le droit d'attacher un seau avec un ceinturon. De quoi on parle? En fait, c'est très simple. Avallo Bechelev. On a le droit de l'Avallo Bechevel, mais pas avec sa corde. De quoi on parle? Très très simple. Il y a dans les puits de l'époque, vous vous rappelez, dans les différents livre, film, il y a le puits qu'on fait descendre avec la corde, car il y a une corde fixe dessus. Si cette corde, elle craque pendant Shabbat, il n'est pas question de lui accrocher une nouvelle corde. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que la corde qu'on va mettre, on va bien l'attacher, pour que ça reste pendant très longtemps, le maximum de temps possible, donc on va transgresser un interdit minatora. Donc du coup, si le dli, il craque, la corde, elle craque pendant Shabbat, t'es en problème. Comment tu vas refaire à une corde, et comment tu vas puiser? Alors sur ça, on va te proposer une solution très simple. Je donne d'abord le principe, et après on va voir la petite marloquette entre Rabbi Meir et entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Le principe, il est très simple, il est débrouille-toi une corde, que c'est certain que tu ne vas pas la laisser pendant longtemps. En l'occurrence, tu prends tes ceinturons, tes ceintures, tu les attaches. C'est sûr que tu ne vas pas les laisser de manière fixe, parce que tu en auras besoin pour te vêtir pendant la semaine. Donc tu as le droit, tu devras attacher ce lit avec ta ceinture. D'accord? Mais par contre, pas avec une corde. Et sur ça, Rabbi Yehuda m'attire, Rabbi Yehuda nous dit, non, t'as le droit d'attacher avec une corde. Attention, on parle surtout pas d'attacher avec une vraie corde. On parle en réalité avec une corde d'un professionnel qui a besoin de ses cordes. Concrètement, on parle d'un gardi. Un gardi, c'est, je crois que c'est celui qui fait le... qui tisse, j'imagine, dans le métier à tisser, la super machine. Je sais pas, j'imagine qu'il va y avoir des cordes. Concrètement, retenez, s'il y a des cordes que tu en as besoin pour faire autre chose. Quelqu'un, il laisse un transporteur, il a besoin de ses câbles, de ses cordes pour pouvoir attacher ses marchandises. Concrètement, c'est là la marloquette. Est-ce qu'on va lui permettre de prendre sa corde pour aller la fixer sur le seau dans la mesure où il est certain que Motei Shabbat, il va se débrouiller une vraie corde, surtout que celle-ci, elle est de trop bonne qualité pour le seau. C'est pas la peine de lui mettre une si bonne qualité, d'accord?
Donc, est-ce que c'est sûr que Motsé Shabbat, ça va finir, il va se débrouiller une bonne corde, il va récupérer sa corde. Donc en fait, c'est sûr qu'au moment où il l'attache, il n'a pas l'intention de la laisser pendant longtemps. Malgré tout, oh, là on commence à rentrer dans les, comment dire, dans les plates-bornes un peu délicates. Parce que les gens, ils vont te voir, ils vont dire, ah, t'attaches une corde. Tu te rappelles la semaine dernière, le voisin qui a une grande barbe jusqu'au parterre, il a attaché la corde, donc moi aussi je vais attacher la corde. On va se mettre à un peu tout confondre en même temps, et puis finalement à attacher une vraie corde. C'est la raison pour laquelle Chachamim interdisent, ils te disent non, une vraie corde ne t'attache pas. On veut que ce soit bien distinct, comme ça les gens ne vont pas se tromper. Mais Rabbi Yehuda dit non, c'est bon, c'est permis. Parce que Klalama Rabbi Yehuda, telle est la règle que nous enseigne Rabbi Yehuda, Kol Kesher Shel Kayama, tout nœud que tu ne fais pas pour une longue durée, même pas pour une durée moyenne, si on veut retenir aussi la vie de Rashi, eh bien, en Chayevenalav, il n'y aura pas de transgression de la Torah de toute façon. Donc, de ce fait, il n'y a pas lieu d'interdire cette corde. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.